Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage bonus pour la fin du mois d'avril 2024. Donc ce tirage s'adresse aux Capricornes en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire 3 mini-tirages. Je ne m'adresserai pas à vous directement, les Capricornes, je ne dirai pas vous, mais je dirai une personne, je décrirai une situation, comme ça c'est plus facile pour vous identifier, et surtout pour ne pas vous identifier si ça ne vous parle pas, afin de prendre, d'avoir du discernement avec les guidances et l'astrologie, et puis afin surtout de ne pas m'agresser en commentaire si ça ne correspond pas à votre situation. Eh oui, Internet est un monde impitoyable, et on est obligé d'appliquer certaines mesures pour s'y sentir bien entre personnes sensées. Alors c'est parti les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette fin du mois d'avril 2024? Âme sœur spirituelle. Ok, alors on a une personne qui est connectée à l'autre, spirituellement, télépathiquement. On a deux personnes qui sont hyper connectées, moi j'appelle ça de l'âme jumelle, une sorte de type de relation flamme jumelle, mais qui est surtout dans la partie télépathique, astrale, onirique, subliminal, mental, spirituel. Bon, on parle d'une personne avec qui donc quelqu'un est très connecté spirituellement, mentalement à quelqu'un. On a deux personnes qui se ressemblent extrêmement, qui sont, voilà quoi, très connectées, très semblables dans leur façon de penser. On a blocage matériel financier. Alors, malheureusement, autant dans la tête, tout est possible et les deux sont d'accord. Dans la matière, pas du tout. En tout cas, c'est coincé, c'est bloqué par le professionnel matériel financier, le concret, peut-être le physique même. Donc, ça bloque. Ça n'est pas possible de s'entendre dans la matière, d'être ensemble dans la matière, dans le concret, quoi, dans la réalité, quoi. La réalité de la vie, des choses. Une autre personne perturbe la relation. Allez, et en plus, il y a une tierce personne. Alors là... Alors, si seulement il n'y avait pas l'argent, si les deux personnes n'étaient pas incarnées dans un corps qu'il fallait faire survivre, parce que c'est ça, hein, faut schématiser les choses, hein. Et s'il n'y avait pas d'autres personnes aussi dans le monde entier, bah, les deux personnes seraient ensemble. Mais bon, si les poules avaient des dents, eh ben, on ne ferait pas des guidances. Donc, voilà. Donc, il y a une tierce personne. On a le libre arbitre. D'ailleurs, il est possible que du coup, le chemin des deux personnes se sépare. Parce que dans la matière, matériellement, ça n'est pas possible. Ou parce que l'un ou l'autre est avec quelqu'un, ou parce qu'il y a une tierce personne, c'est peut-être quelqu'un, je ne sais pas, famille, ami, travail, qui empêche cette situation. Donc bon, voilà, donc du coup, on a deux personnes, peut-être d'ailleurs, qui d'un commun accord, sont d'accord pour prendre une direction différente. Voilà. On sera mieux chacun avec quelqu'un d'autre. Nos routes se séparent. On a peut-être même la connexion spirituelle qui se sépare. On a peut-être deux personnes, du coup, bah, tant, si on ne peut pas être ensemble dans la matière, autant ne même plus se parler, autant ne même plus être connecté, ne plus chercher à penser à l'autre ou à entretenir le lien, à y croire. Tu connais déjà ton âme sœur. Alors, on a une personne, aussi, on a une des deux personnes, ce qui facilite la séparation. Il restait peut-être plus que le lien spirituel, le lien communicationnel, émotionnel, le lien mental, le lien d'un peut-être plus tard. Et de ça, c'est coupé, parce qu'on a quand même une personne qui a quelqu'un d'autre aussi. C'est sûr que ça aide, parce qu'on a une personne qui a rencontré une personne avec qui c'est possible dans la matière, ou est déjà avec quelqu'un avec qui c'est possible dans la matière. Et d'ailleurs, même dans des concrétisations de projets, de situations qui sont d'ailleurs peut-être même pas supprimables dans la matière. Donc,
Bon. On a une personne, ça n'empêche que la personne se dit non, mais ça reste quand même cette personne avec qui j'aurais dû être. Mais bon, en tout cas, on fait pas la vie sur les hypothèses imaginaires. Faut vivre dans la réalité, quoi. On a rencontre par le travail. Alors, bon, déjà, s'il y a une tierce personne, c'est lié au travail. Alors, on a peut-être quelqu'un qui a rencontré quelqu'un au travail, par le travail. Ou alors, là, le truc, c'est que ça part de, c'est très joli, c'est très mignon, prendre des routes différentes, l'un ou l'autre, ou les deux même peut-être, ont quelqu'un d'autre. Là, par contre, la relation, elle est bien concrète, hein. Maintenant, c'est presque foutu pour en sortir, en fait, même s'il y avait une envie. Ben non, parce qu'il y a une construction avec la personne, de travail, de projet, de matière, d'argent, de matériel, de maison. Donc là, ben, disons que si déjà c'est pas possible avec quelqu'un de construire, et si en plus avec une autre personne c'est constructible et construit et non défaisable, bon ben là, on. Ça va être encore plus compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Tomber à l'envers. On a la rupture. Pourtant, les deux personnes n'arrivent pas à rompre totalement le lien. N'arrivent pas à se dire que c'est terminé, que c'est foutu pour toujours. Il subsistera au moins le lien spirituel. Mais alors, c'est le lien, c'est. C'est-à-dire quand les deux personnes seront passées dans l'autre monde ou seront dans une autre réincarnation possible, bon, il y aura le rappel de peut-être il y avait un lien avec cette personne. Mais à part ça, je sais pas s'il subsiste quoi que ce soit. Hein. Ça semble. Bon. On a deux personnes qui ne veulent pas rompre. On a rencontre par un moins témoin de télécommunication, mais qui ne se parlent pas pour autant. C'est-à-dire que c'est vraiment, là, on est vraiment juste dans la pure télépathie, avec deux personnes qui ont conscience des liens spirituels, des liens d'âme, des principes de réincarnation, ou de, voilà. Bon, et puis c'est tout, quoi. Sinon, c'est peut-être la bonne personne, mais je ne sais dans quelle vie ou dans quel monde parallèle. Voilà, on va dire ça comme ça. Dans cette vie-là, ça bloque complètement matériellement, c'est pas possible, et on ne se parle même pas, on ne se parle même plus, on n'a rien à se dire. Qu'est-ce qu'on peut se dire de plus que ça? Mais non, mais. Non, non, non. Tu n'avais pas qu'à être incarné dans ce corps, dans cette vie, dans cette famille, tu n'avais qu'à pas choisir ce travail, ce comportement par rapport à l'argent. Voilà quoi. Qu'est-ce que les deux personnes peuvent se dire de plus que ça? Il n'y a rien à dire, hein. Donc elles se disent rien. Tomber à l'envers, on a les enfants. Ouais. Alors, s'il n'y a pas, il n'y a peut-être pas de rupture du lien totalement, mais il n'y a pas de communication et il y a encore moins de projets d'enfants ou d'avenir, hein. Il n'y a rien. Bon, on a une personne qui. Une des deux, ou même les deux, sont avec une autre personne. Qu'elles ont rencontrée au travail ou avec qui il y a du travail, il y a matière, il y a concret. Il n'y a pas d'enfant par contre. Hein. Il n'y a pas d'enfant ou il n'y aura pas d'enfant. Ou alors, les deux personnes ne font pas ça pour les enfants ou laissent un peu les enfants de côté, mais c'est quand même business is business. Hein. C'est surtout pour la matière, le matériel. Bon, on a quelqu'un qui connaît déjà la bonne personne. Oui, bah c'est cette personne, mais les routes se séparent. Voilà. Selon le libre arbitre de chacun, pour pouvoir vivre cette vie incarnée de manière normale, et l'un, l'autre ou les deux choisissent le travail et une personne qui correspond à la vie matérielle. Voilà, tout simplement. À la réalité de la vie, et il faut travailler, il faut se lever, il faut faire survivre le corps, et puis c'est tout. Bon, voilà pour ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de regret, que tout le monde est d'accord avec ça. Hein. En tout cas, on a une des deux. Mais je pense que les deux personnes sont d'accord avec ça, en plus. Personne ici n'en souffre. Donc après, vous prenez, ça vous parle. Hein.
Mais moi, j'ai pas ressenti de souffrance. J'ai l'impression qu'on a deux personnes qui sont au fait, qui disent non, mais d'accord. Notre incarnation ne nous permet pas de nous retrouver. Adios. On a la victoire, le 6 de carreau. Bon, en tout cas, on a une personne qui réussit, qui avance, qui est contente, qui est satisfaite, qui peut aussi peut-être se déplacer, voyager, déménager, en tout cas qui réussit peut-être dans sa vie matérielle. On a la foi, l'étoile. On a quelqu'un qui a quand même la foi. Ça n'empêche pas la personne d'avoir la foi. Peut-être même ça renforce la foi. Le fait de se dire que l'âme de la personne, les deux âmes sont connectées, mais la matière empêche toute relation possible. Ça valide la croyance dans le fait que nous ne sommes pas que des corps de chair destinés à manger et se reproduire. C'est le cas, mais il y a autre chose, puisque l'âme, elle, est connectée à quelqu'un. Donc on a quelqu'un qui est content. C'est une victoire d'avoir la foi, de se dire qu'il y a une profondeur, il y a un lien, il y a une existence de l'âme et des connexions d'âme, purement d'âme, quoi. Purement éthérée, purement spirituelle. On a le travail d'équipe. Alors, ce serait merveilleux d'en faire un travail d'équipe. Si les deux personnes pouvaient se dire, on peut pas être ensemble dans la matière, mais on peut en faire un projet de dire que les connexions juste spirituelles fonctionnent. Mais le problème, c'est que les projets... Bon, peut-être, ce style de projet va peut-être en contradiction avec justement le travail de l'un de l'autre, la vie matérielle de l'un de l'autre. La personne qui vit avec son conjoint va dire « Bon, allez, bonne journée chérie, je vais aller voir mon lien d'âme, on va travailler ensemble sur le côté spirituel pour dire que ça existe, et puis après je reviendrai à la maison avec toi. » La connexion d'âme serait d'accord, mais alors la personne qui est dans la maison avec les enfants elle dirait « Mais qu'est-ce que tu me racontes ? C'est quoi cette histoire de... Toi, t'es là et tu vois, quoi. Bon, donc, bon. Ça n'est pas compréhensible par tout le monde. Hein. Voilà. Donc, mais on a une personne qui est contente, qui a la foi et qui espère peut-être d'ailleurs toujours, qui se dit peut-être dans un jour, sur une autre planète, dans un autre monde et dans une autre décennie et génération, on pourra peut-être en parler, qu'il existe notre connexion d'âme et spirituelle. Quand les gens, ils seront un peu plus ouverts d'esprit, peut-être ça sera possible. On a la maîtrise. Ouais. En attendant, la personne, maîtrise sa vie. Est très contente, d'ailleurs, de maîtriser sa vie matérielle, sa vie... Voilà, cette relation, en plus, n'empiète pas sur sa vie. On n'a pas quelqu'un qui est dans cette situation, qui en est triste, qui se dit « Oh là là, ça m'empêche de réussir dans ma vie professionnelle, ça m'empêche d'être avec peut-être même quelqu'un d'autre. » Non, ça n'empêche rien. À part faire croire en la foi et l'existence des liens d'âme... Donc on a une personne d'ailleurs qui est très contente de pouvoir maîtriser sa vie et de réussir ce qu'il y a dans sa vie, détachée de cette histoire de foi. On a la méfiance. Ah, d'ailleurs, on a une personne, alors à force, qui pourrait presque s'en méfier. On a quelqu'un qui pourrait presque basculer en mode « Non, mais en fait, ça n'existe pas. » À force d'avoir, pas renié le lien, mais de l'avoir laissé de côté, parce qu'il faut vivre. Voilà, il faut vivre du corps sur la planète Terre avec les gens qui font métro, boulot, dodo, et voilà. Et à force de l'avoir laissé, d'avoir réussi dans sa vie à côté, ben la personne, maintenant, on lui dirait « Ah, mais t'as un lien d'âme avec cette personne et tout, tu te rappelles et tout ?» La personne dirait « Je sais pas, moi j'y crois plus trop à ces histoires de foi, de lien. » On a quelqu'un qui, maintenant, se méfie et est en mode froid par rapport à ça, est en mode méfiance, est en mode... discernement, silence, autoprotection, en mode « ouais, je sais pas ». Parce que la personne a pris tellement d'énergie masculine, d'ancrage, de concentration dans la réalité, que la personne se dit « c'est sûr que j'y ai cru à un moment donné, à ce truc-là, parce que, je sais pas, hein. Je crois qu'il faut pas trop y croire ». On a la remise en question. Ah, aïe, alors, ouais. Alors, on a une personne qui peut remettre en question, donc totalement même cet espoir, hein, c'était dit, non, mais peut-être un jour, dans un jour futur, quand l'humanité aura évolué et comprendra qu'il n'y a pas que le corps, mais il y a aussi une âme, hein, dans le cerveau, que ce n'est pas que des interactions de neurones électriques, mais qu'il y a vraiment quelque chose d'éthéré et de profond
Et là, peut-être on pourra faire un projet avec la personne, et la personne maintenant s'en doute jusqu'à carrément remettre en question ça, se dit mais jamais ça n'aura lieu. À moins que la personne, dès que la personne y pense, malheureusement la personne en fait remet en question une autre relation. Non mais si je commence à y penser, je vais remettre en question mon couple actuel, ou mes projets actuels de travail, de mes autres interactions réelles dans la matière qui me font évoluer, réussir. Alors c'est gentil, mais non merci. Donc on a une personne qui soit remet en question sa foi sur le lien d'âme, soit remet en question une autre interaction. Et n'est pas très contente, à mon avis, de faire ni l'un ni l'autre. Surtout la deuxième. On a le fardeau. Ouais, on a une personne qui commence à se dire c'est un fardeau, en fait, d'avoir la foi comme ça. Non, non, mais qu'on ne me parle plus de ces histoires de foi dans les liens d'âme. Moi, je vais choisir les liens dans la matière, les liens du concret, parce que j'ai pas envie de remettre en question ça, parce que ça marche très bien. Ça me permet de réussir dans ma vie, de maîtriser ma vie, d'être dans le réel, d'être... voilà, et puis voilà. Donc, on a une personne qui commence à dire c'est d'un fardeau, quoi. On a aussi une personne qui pourrait... C'est l'inverse, c'est peut-être l'autre personne. Pendant qu'une personne se dit « Non, mais moi, je ne veux plus entendre parler de ces histoires de liens d'âme, qu'on m'apporte des relations dans le concret, des personnes bienveillantes et productives, en bonne intelligence ensemble, ça me suffira. » Pendant ce temps-là, l'autre personne dit « Mais c'est un fardeau parce que moi, j'ai choisi la maîtrise pour réussir ma vie et maintenant, je n'aime pas ma vie que j'ai choisie pour des constructions réelles dans la matière. » C'est un fardeau, en fait. Ces relations de travail, ces relations de responsabilité familiale, sociale, ces relations de matière, c'est un fardeau. On a la surveillance au valet de pique. Alors, on a les anges gardiens qui ne veulent pas du tout interagir dans la situation. Ne rien dire. Ne pas dire à quelqu'un, mais tu devrais y croire encore, avoir la foi sur ce lien. Un jour, ce sera possible. Non, mais ne t'inquiète pas, les gens évoluent. Je sais qu'ils sont bêtes, mais ne t'inquiète pas. Bientôt, les gens seront ouverts d'esprit. On veut plus dire ça à quelqu'un. Et on veut pas dire non plus à l'autre, t'as raison, c'est un fardeau, tes relations de travail, de construction que t'as choisi, c'est lourd, c'est pénible, tu devrais les lâcher. Non, ni l'un ni l'autre, on veut rien dire. Rien dire à personne. C'est chacun se démerde dans ce qu'il veut choisir et croire et faire et rester ou changer. Dernière carte, on a les synchronicités. Ah ouais, on n'en verra aucun signe. On n'en verra rien comme signe. On ne dira pas à quelqu'un « T'as raison, remets en question ta relation de travail d'équipe dans la matière pour revenir dans ton lien d'âme. » On ne dira pas non plus à quelqu'un « T'as raison, c'est un fardeau, tes relations de responsabilité de matière, de famille, d'argent, de travail, de je ne sais pas quoi. » Rien, on n'en verra rien, on ne dira rien à personne. Donc, on a une personne, voire les deux, qui se méfient maintenant de la foi, des liens d'âme, de tout ça, pour rester juste dans la maîtrise de leur vie, mais parce que, en fait, reconsidérer cette histoire de lien fait remettre en question toute la vie et tous les trucs qui marchent dans la matière, les trucs concrets. Donc, ça ne plaît pas trop, ni à l'un ni à l'autre, de remettre en question ça. C'est forcé. Parce que ça reste. Mais, et ça n'est pas d'ailleurs encouragé. Il n'y a personne qui dit « Non, mais tu devrais toujours y croire. » On envoie des signes. Non, rien, rien. Mais on a quand même... Et donc, du coup, on a des personnes qui s'en méfient. Mais il y a comme une puce qui a été implantée dans l'esprit de la personne en lui disant « T'es lié à cette personne. » Ne l'oublie jamais. Bon. Dernier tirage. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner ? Ouais, la spiritualité à l'envers et la discussion. Ah ouais. Là, on a une personne, voire les deux. Je ne veux plus entendre parler de spiritualité, de notre lien d'âme, de « il faudrait être ensemble ». Les deux personnes ne veulent pas ni en discuter ensemble dans le lien d'âme, ni en discuter avec les autres ou avec qui que ce soit. On a vraiment des deux personnes d'un lien qui font un déni total de ce pan-là, de leur vie, de leur esprit, de ce qui s'est passé. C'est niette, en fait. On attire sans enfant. Ah, c'est à cause des enfants. Bon. Parce qu'on a les deux personnes qui veulent un enfant ensemble. Donc ne parlons pas du fait que notre lien suffit et qu'on n'a pas besoin de se reproduire. Non, on veut un enfant quand même, ou l'un des deux veut un enfant, ou l'un des deux a un enfant. Donc, voilà, l'enfant, c'est un projet concret.
C'est réel, ça vit, ça bouge, ça marche, ça mange, ça voilà. Voilà, ça vivra. Hein. Voilà. Les liens d'âme, non, ça n'est pas quelque chose de concret, donc non merci. On a manque de contrôle. Il n'empêche qu'on a une personne qui a beau vouloir revenir dans la réalité, dans la 3D, dans la matière, et ne laisser la spiritualité, qui a du mal à se contrôler quand même, qui a du mal à maîtriser ses émotions, parce que je crois qu'à l'intérieur, c'est pas vrai en fait. Enfin, c'est sûr que c'est pas vrai. C'est-à-dire que on a une personne qui essaie de mettre une sorte de couvercle sur un truc qui existe, pour que surtout ça n'existe pas et ça ne rejaillisse pas sur la réalité, et surtout pas sur les histoires d'enfants, notamment, mais qui n'y arrive pas en fait. Ben, ce serait comme étouffer la vie. Est-ce que la vie, c'est l'enfant, ou est-ce que la vie, c'est l'âme? C'est pas l'âme, Dieu m'a donné la foi, hein, mais presque. Ah non, c'est Ophélie Winter, pardon. Bon, l'âme, c'est je veux chanter pour ceux voilà, qui sont loin de chez eux. Bon, mais peu importe. En tout cas, on a quelqu'un qui a beaucoup de mal à se contrôler et à rester dans la réalité basique. Hein. Tu nais, tu fais des enfants, tu meurs. Voilà. Tout simplement, et tu réfléchis pas. C'est pas évident pour la personne en question, voire pour les deux, de se dire ça, de pratiquer ça, de rester dans une vie comme ça. Non, ça semble un peu complexe. Tomber à l'envers, on a l'enseignement. On a deux personnes qui refusent d'en parler et d'enseigner aux autres que le lien est d'âme, en fait, et pas de sang. Et encore moins d'enfants et de filiation physique. Non, c'est niet. C'est niet. On a deux personnes qui ne veulent pas comprendre ça, qui ne veulent pas en parler ensemble et qui veulent encore moins en parler aux autres. On a la mission de vie. Bien que ce soit peut-être leur mission de vie. Mais parce qu'on a une personne qui croit que sa mission de vie, c'est d'avoir un enfant, c'est de s'occuper de son enfant, c'est de je ne sais quoi par rapport aux enfants. Alors que c'est quand même tellement plus important, peut-être, de dire au monde, aux gens, qu'il y a une âme dans les corps physiques qu'on met au monde, que d'ailleurs on ne choisit pas aussi qu'elle s'incarne, hein. Que l'inné est différent de l'acquis, enfin, bref. Non, on a une personne qui a décidé que sa mission de vie, c'était d'avoir un enfant, ou de s'occuper de ses enfants, peut-être de ses parents, ou de, je ne sais pas, une sorte de question de filiation. On a la télépathie. Ouais, mais chasser le naturel, il revient au galop. On peut très bien se dire qu'on n'est pas spirituel et qu'on s'en fout d'un lien d'âme et puis voilà, on essaie de contrôler sa vie et ses émotions, mais on n'y arrive pas toujours. Les deux personnes sont liées et parlent ensemble. Si elles ne parlent pas dans la réalité, si elles ne s'apprennent pas des choses ensemble et aux autres, elles se le disent dans la tête. On a l'âme jumelle. Ouais, c'est ce que je vous dis. Ben, on en est là. Hein. Donc on a deux personnes. C'est même pas. Elles peuvent très bien ne pas se parler. Et ne parler à personne. Et ne rien enseigner à qui que ce soit. Mais dans la tête, elles savent. Elles sont connectées. Je crois que ça les désespère. Autant l'une que l'autre, ça doit vraiment les agacer, parce que c'est pas du tout ce qu'elles ont choisi. Non, non, mais laissez-nous avoir des enfants, normalement, nous occuper de nos enfants, rester avec les enfants, et dire que la vie, c'est de faire des enfants. Laissez-nous faire ça. C'est beaucoup plus simple. Tout le monde comprend ça. Voilà, tout le monde fait ça, donc c'est très simple, c'est très bien. Et on a les flashs. Ouais, mais régulièrement, la personne, elle se dit, mais c'est pas ça ma mission de vie. Quand la personne regarde son enfant, quand la personne regarde les gens qui ont des enfants, quand la personne regarde ses parents, quand la personne se rappelle que sa mission de vie n'est pas la question de l'enfant. Ce n'est pas ça. Que c'est le lien d'âme, et pas le lien de sang et de filiation. Donc, les deux personnes le savent, les deux personnes se le disent, les deux personnes en ont totalement conscience, et même si elles veulent le taire, ça leur ramène à leur conscience par des flashs et des prises de conscience, mais elles ne veulent absolument pas en tirer les leçons et l'enseigner à qui que ce soit. Elles ont du mal à se contrôler, et à... Pour moi, c'est les deux, parce que on a peut-être une personne qui a plus de mal à contrôler ça que l'autre. On a peut-être une personne qui a plus de mal à... C'est peut-être une des deux personnes qui ne veut pas aussi, pendant que l'autre veut, et on a une deux personnes que ça agace. Ou on a peut-être une personne qui arrive à mettre un couvercle sur la spiritualité, mais pas toujours. Mais de toute façon, ce sera leur mission de vie, tôt ou tard. De toute façon, les deux personnes seront appelées à transmettre ce message aux autres, si c'est pas au moins à leurs enfants,
à leur famille, ce sera à tout le monde. Bon. Mais c'est vraiment, c'est refusé hein, pour l'instant. Ça n'arrange pas du tout les deux personnes, ou une des deux personnes en tout cas. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.